à quelques kilomètres du centre de Buenos Aires. Bienvenue, bienvenue à Avellaneda, bienvenue à l'Estadio Presidente Perón. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match, dans une poignée de secondes, le début de ce match de championnat, l'Argentine face aux États-Unis. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Et voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Ça joue dans un 4-5-1 assez conventionnel. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. Et voyons les 11 américaines qui vont débuter ce match. 4-5-1 conventionnel. Conventionnel, mais toujours très efficace si tu veux être infranchissable au milieu. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et le ballon qui est bien écarté. Allez, bien frappé ce corner. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Bon segundo. Lavelle. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Pour prendre l'avantage peut-être. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bombazo! Faire reculer ton rival, le coincer dans sa surface, l'asphyxier, l'étouffer. On sentait que le but allait arriver. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Et la grosse intervention là. Et oui, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. La frappe, ouais, superbe défense. Et une occasion de contre à négocier. Et la contre-attaque fait mal à la défense. L'ouverture en profondeur. Et jaillit bien pour empêcher la frappe. Alex Morgan. Des solutions en attaque là. Ouais, l'intervention vitale. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Et ce corner, c'est une opportunité pour revenir dans le match. C'est dégagé, aucun problème.
30 secondes. Et c'est une frappe. Oh, quelle intervention magnifique. Elle est bien tirée dans la surface. Elle a frappé contrée. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, le ballon intéressant. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Oh, superbe réflexe! Un corner qui est bien ajusté. Ouh, faut pas perdre le ballon là. Lindsey Horan. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, le contre était bien parti mais ne donne rien. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ah, peut-être l'égalisation. Et ça passe. Voilà l'égalisation. Et les deux équipes qui ne se lâchent plus. Mais quel match! Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Et avec ce but, score de parité, un partout. Morgan. Et ça a l'air bien dosé, ça. Elle est merveilleuse, cette passe. Allez, le ballon est anticipé de justesse. Pas bien donné ce ballon et ça passe au-dessus de tout le monde. À la transversale, le bon renversement. Ouh, le drapeau qui se lève là, l'arbitre qui signale le hors-jeu. Oui, une séquence un peu brouillonne là. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Attention pour mener au score peut-être. Et le ballon qui est bien écarté. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. L'arbitre laisse l'avantage. Sonnette. Et Morgan, une grosse opportunité, attention! Quel arrêt splendide, énorme réflexe! Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose! Et la parade, mais ce n'est pas fini! Interception réussie, ballon récupéré.
Trinity Rodman. Oui, voilà, ça combine. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Ah, là-dessus peut-être. Oui, bon plongeon là-dessus. C'est bien parti pour ce corner. Ah, pas évidente l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui agite l'imagination. L'émotion, elle vient du risque, de la créativité, du rythme, de l'intensité. Ce ballon dévié par le premier rideau défensif. Lavelle. Le danger dans la profondeur, en bonne position là. Le danger est toujours présent. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Bon segundo. Excellente intervention, ça sort en touche. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté, toujours ce petit but de retard. Ah, l'action s'est développée, mais ce carton jaune n'a pas été oublié par l'arbitre. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Hippolito. Ah, du soutien là pour attaquer. Il faut tenter sa chance. Oh, c'est contré. Et le contré possible maintenant. Morgan, magnifique ce contre. Corner et pourquoi pas une bonne tête afin de prendre le large. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Corner. Long ballon aérien, la défense se soulage. Ouais, c'est bien vu cette passe. Super progression dans la moitié adverse. Ah, y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. En fait. Magnifique, quelle passe! Morgan s'échappe en profondeur. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Oui, la frappe! Le plongeon pour sauver ce ballon. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ballon vers la surface. Ouais, excellente intervention pour capter ce ballon et ne pas le laisser échapper. Sonnette. Et ce ballon est finalement intercepté. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ça sort en touche. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Lindsey Horan. Un ballon récupéré. A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Et Morgan.
Mais oui, la passe en profondeur. Oh, et le face-à-face qui a tourné à ton avantage. Qu'est-ce que c'est bien joué. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Ah, il est bien frappé ce corner. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Un bon contre à jouer peut-être. Un secondo. L'équipe part à l'abordage. Peut-être l'occasion d'arracher l'égalisation dans les derniers instants. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Oui, la parade. Ballon dégagé par Sauerbrunn. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Attention, voilà un bon duel. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. C'est bien parti pour ce corner. Voilà, parade miraculeuse et qui sauve. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Effectivement, et ce n'est jamais évident de perdre ce genre de match d'un petit but. Une défaite comme ça, c'est encore plus frustrant.